Je vous donne le témoignage, pasteur. Que Dieu te bénisse. Je m'appelle Fatoumata. Je suis musulman. Tout était bloqué sous moi. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais là à regarder les YouTube. J'ai vu une vidéo de papa. Donc, j'ai regardé. Après, j'ai laissé. Maintenant, depuis 2012, je suis là, je n'ai pas de papier. Quand je trouve un boulot comme ça, on me chasse. On me dit même pas arrête, on me chasse même. Quand j'ai des amis comme ça, je n'ai pas de camarades. Quand j'ai des camarades comme ça, une semaine, on dirait que j'ai fait quelque chose. Elle veut plus me voir. Donc je suis là, je tourne sous moi, je ne sais plus quoi faire. Mon mari même là, je ne vais pas le voir à la maison. Quand il a dit bonsoir, je ne vais pas répondre. C'était grave. Donc je lui ai dit, ah, pour moi je suis là, je suis fatiguée, je ne sais pas quoi faire. Je suis fatiguée. Je vais à la préfecture, on me dit, on m'a donné 6 mois. Je vais, on me dit, aujourd'hui on ne peut pas vous prendre. Je rentre chez moi, je reviens encore, on me donne 3 mois. On me dit, non, aujourd'hui on ne peut pas te prendre. Je rentre, je reviens encore, on me dit, ton mari n'est pas là, on ne peut pas te donner. Donc, un an. J'ai défile seulement entre la maison et la préfecture, je ne sais pas quoi faire. Pas fini, dernier qui s'est passé, je partais à la sécurité sociale pour aller faire ma carte vitale. On m'a donné 3 mois que je ne peux pas travailler avec. Donc, on m'a donné 3 mois, je suis allée à la sécurité sociale pour faire une carte vitale, au moins pour mettre ça sous moi. Je vais à la sécurité sociale, j'ai fait 2 mois, j'ai fait va et vient là-bas. Je vais, première personne que je trouve, la personne me dit non, aujourd'hui, papier que vous avez envoyé, ça c'est pas bon, c'est comme ça, je rentre, je vais chercher l'autre, je viens encore, on me parle de l'autre chose encore. Après fini, j'ai laissé tous les papiers, j'étais à la maison, je pleure. Donc, j'ai dit à mon mari où je suis là, j'ai vu un monsieur, il est en train de délivrer les gens. Allons, je sais que je suis musulman, mais peut-être c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Donc j'ai appelé maman, sa femme qui est très gentille avec tout le monde. Donc j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, je suis venue. Il m'a regardé, on a parlé, il m'a donné une. Ce jour-là, je suis tombée ici, vendredi. Franchement, ce qui s'est passé ici, c'était grave. C'était grave même. Quand je me suis levée, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je suis restée dans ça, on est parti. Dimanche on est revenu, il m'a délivré. Comme ça, quand je suis rentrée à la maison, et le 26 septembre, je suis quittée, j'étais allée chercher l'enfant à l'école, je rentre à la maison, devant l'ascenseur, j'ai reçu un message. On me dit. Le 8 octobre, d'aller chercher ma carte, que ça y est là. Donc, depuis 2012, j'ai traîné. Je me suis même pas tenu là-bas en même temps. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Mon mari est rentré, je l'ai donné le téléphone, il faut bien regarder parce que moi, je ne sais pas. Oui, envoyez le message, on va voir dans le portable. Envoyez le message, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh,
Elle avait un esprit dans sa vie. Et cet esprit-là l'avait épousé spirituellement parlant. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se mettre avec quelqu'un. Et donc, du coup, qu'elle voit son mari, il y a cette histoire-là de balade, la bagarre. Elle ne peut pas durer dans les amitiés avec des gens et tout ça. Et encore, l'esprit a produit en elle l'esprit d'échec. Tout ce qu'elle entreprend, c'est l'échec. Elle est restée pendant des années, elle avait des enfants ici, pas les papiers. Et le jour qu'on a eu la rencontre, je crois que c'est un vendredi, on a eu le monde la rencontre un vendredi, les démons se sont manifestés pendant des heures en train de parler. Je l'ai programmé dimanche pour chasser ces démons. C'était vraiment terrible, ce qu'elle dit, c'était pas musulman. C'était vraiment terrible, elle avait bien dimanche ici, vous savez, pour sécurité du dimanche. Vous avez vu comment les démons se sont manifestés. Sauf là où vous pouvez. Ton problème peut être d'ordre mystique, il peut y avoir un démon dans ta vie. C'est ça qu'il faut persévérer. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut chercher à se faire délivrer. Effectivement, elle a persévéré. Cette histoire de délivrance, ce n'est pas une question de religion. Elle a senti le besoin. Ce n'est pas une question, elle a senti. Elle s'est levée. Parce que si tu ne lèves pas, tu ne verras jamais la main de Dieu te délivrer. Les gens, ils ont des problèmes, ils sont assis. Et ils n'ont pas aussi le sens de la persévérance. Et il faut persévérer. Amen. Amen. Donc elle est venue la délivrer. Voici une musulmane. Musulmane qu'elle est. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. À cause de sa foi. Ça, c'est vraiment très important, sa foi. Elle s'est dit, ben, je me lève, il faut que je parle. Priez le Dieu que ce monsieur a pris là. C'est Jésus ta mogol là. Jésus ta mogol. Jésus ta mogol là. Il faut que je parle pour Jésus ta mogol. Dès qu'il sera marché. Mes paroles. Amen. Et la fête de Jésus t'a mort à marcher. Et elle-même, elle vient maintenant rendre témoignage de la puissance de Dieu. En quelque temps, Dieu détend la situation. Amen. Toutefois, elle a mené 3 mois, 6 mois, 3 mois. Et cette fois-ci, on vient de voir sur le texte tout à l'heure. On dit viens, ta carte est disponible. Oui, le papa. Viens prendre ta carte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Ici, c'est le temps des miracles. Dis amen. Le temps de miracles. Amen. Heureusement, nous sommes en train de nous organiser et chacun d'entre vous sera visité par le Dieu des miracles. Amen. Chacun d'entre vous sera visité par le Dieu des miracles. Tu es content de ce que Jésus a fait pour toi? Je suis très content. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. En plus, ce n'est pas fini. Hein. Quand on m'a chassé dans le boulot, quand on m'a chassé en janvier. Là. On t'a chassé dans un boulot en janvier. Oui. On dit c'est parti. J'ai fini de travailler, je viens, je donne tout à patron qui est assis, la femme qui était là. Elle me dit c'est fini. Je dis c'est quoi qui est fini. Le contrat que tu fais, c'est fini. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, le jeudi encore, je suis là et la dame m'appelle, elle m'appelle. Elle m'a même appelé. Moi-même, j'étais énervée, même. Elle m'appelle. Quand j'ai décroché maintenant, elle me dit que j'ai une place pour toi. Hein. J'ai dit quelle place. Elle me dit, si tu veux travailler, viens, j'ai une place pour toi. 1er novembre. Ça y est là, si tu es prêt, tu m'appelles. Tu viens demain. Donc c'est ça. Vraiment, j'ai dit merci à papa. Et nous disons merci à Jésus. Amen. Il est le Dieu des miracles. Amen. Dieu est merveilleux. Je suis content parce que quand je suis venu ici la première fois, j'étais pas comme ça. Hein? Je n'étais pas comme ça, oui. Monsieur, son mari vient. Venez, monsieur. Comment tu t'appelles? Mabou Baladi? Moussa, comment tu t'appelles? Chaka vient. Tous les du Labougou sont là. Ce sont mes parents. Excusez-moi.
Est-ce que ce que ta femme dit est vrai? Ouais, si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et moi, c'est pas facile. Et avant qu'on vienne ici, il fallait, c'était difficile. Même le jour, le vendredi, quand j'étais là, j'avais peur. Et je me suis dit que, ouais, bon, de toutes les façons, et il y a quelqu'un qui est là qui essaie de résoudre le problème qu'elle a. Elle était bizarre quand on partait à la maison. Je me suis dit que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. C'est que depuis qu'elle est là, que nous sommes ensemble, c'était pas comme ça. Vraiment. On est venu, elle est tombée ce jour. Voilà, là, c'était partout. Elle traînait partout. Ça t'a fait peur. Voilà, au début, moi, vu que non, on n'a jamais fait. Au début, bon, on s'est dit que ouais, de toutes les façons. Moi, je me suis dit que de toutes les façons, il y a quelqu'un qui est là, puisqu'on a. C'est pas par rapport à YouTube qu'on a vraiment vu ça. Et on s'est dit que ouais, s'il le fait, il faut y croire. Il n'est pas d'être musulman ou chrétien ou quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui te délivre qui que ce soit, il faut le croire. Amen. Pas pour quand elle m'a dit, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on y va. Appelle, prends rendez-vous, on va voir ce monsieur-là, il n'y a pas de problème, je suis sûr que ça ira. Amen. Et depuis ce jour-là, et on a fait qu'elle a appelé, même quand elle était avec une copine, deux jours. C'est on m'a même fini, fait un or cadeau pour moi. Or, je vous et jure, or. On a offert un or gratuit. Gratuit, complet. Gratuit. C'était jamais arrivé. Et quand elle avait avec une de ses copines, au bout de deux ou trois jours, c'est fini l'amitié. C'est quand elle m'a dit que, ouais, vous l'avez dit qu'elle a un démon. Que moi, Yassine, tu n'as pas vu. Toi, mais David, dis-moi, Yassine. Tu ne veux pas qu'elle me caresse avec quelqu'un. Toi, mais David. Donc, du coup, je me suis dit que ouais, vraiment, Dieu merci et on remercie vraiment le professeur Grasso. Prophète. Et on remercie le prophète Grasso et le Seigneur qui nous a amenés pour qu'il puisse délivrer ma femme. Amen. Je me suis trompé par rapport au discours, je n'ai pas l'habitude qu'on m'excuse. Siaka, oui. On a compris. On a bien compris ton témoignage. Moi, je connais mes parents musulmans. Il ne peut pas venir se mettre dans une église. Il dit Jésus m'a guéri. Non, ça qu'il n'a pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand? Vendredi et jeudi. On s'est vu? C'est vendredi ou c'est jeudi hier? C'est jeudi. Hier. Samedi. J'ai dit, mais tu ne fous pas ici. Elle dit, il y a une miracle. J'ai dit, mais tu fous quoi? Elle dit, il y a une miracle. Jésus a fait des grands miracles, il dit, bon, ça veut dire qu'il faut témoigner. Amen. Le testo est là, elle avait les papiers bloqués. C'est pour vous dire, toi tu es en train de m'écouter, crois à ton. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-vous asseoir.